sais, quand t'es tout seul à la maison, là, hein, tu mets ton stéréo bien, bien fort, là, toi, tu danses tout seul dans la maison, hein. Dans ta tête, là, t'es sûr que tu bouges bien au bout, hein. Même, tu comprends pas ça que le monde le remarque pas plus que ça, hein. Ben, vous remarquez, on se pratique pour le samedi soir. Ah. On pratique des petits pas qu'on invente. Je sais pas pourquoi, hein? On a toujours la manie d'aller se planter devant la grande vue du salon, hein? Là, y a toujours du monde qui passe sur le trottoir, là. Il regarde des maisons. Il regarde passer. T'es toujours en vieux t-shirt sale pis en caleçon, hein? Là, tu t'en vas dans la chambre de bain. Tu te regardes dans le miroir. Là, quand t'es bien sûr de ce que tu vois dans le miroir, là, tu retournes dans le salon. C'est le fun des tounes, hein? Avez-vous remarqué que juste une pièce de musique, on dirait que c'est un voyage dans le temps gratuit. C'est vrai, ça, hein? Pense à ça. Il y a juste une pièce de musique qui te revient à l'oreille, on dirait que tu te sens catapulté dans le temps quand tu avais tel âge, en train de faire telle ou telle affaire. C'est grave, ça. Hey, puis repense à ça, là. Des fois, on dirait que ça va jusque-là. Il y a une pièce de musique qui te revient à l'oreille, là, on dirait qu'il y a une odeur qui te revient dans le nez. Hein? C'est grave, ça! Moi, je me rappelle quand j'avais 5 ans à peu près. J'étais dans la cuisine chez nous, puis je me préparais pour aller jouer dehors. Chez nous, dans la cuisine, il y avait un gros frigidaire, là même, là. Puis il y avait un petit radio en haut du frigidaire. Mais dans ce salon, tout le monde avait un. T'achetais le radio, le frigidaire venait avec. Là, ma mère, elle m'habillait pour aller jouer dans la neige. Elle sortait mes petites mitaines de laine, tricotées tout croche. Vous rappelez-vous de ça? Là, elle disait, mets ta main pointue comme ça, là. Hein? Là, elle disait, mets le pointu de ta main dans la mitaine. Là, elle disait, vas-y. Pousse! Ça, cet âge-là, on forçait d'ici, hein? Le reste est toujours bien, bien smooth, là. Là, on faisait exprès. On allait s'étirer sur le comptoir. Ta mère, elle suivait à genoux sur le brelard. Là, tu la faisais reculer, puis les talons pognaient d'un crack. Puis là, elle arrivait avec un genre d'épingle à couche. Tu sais, les épingles en métal, là, hein? Là, elle passait ça dans ta mitaine, là, puis elle l'attachait après ton manteau. Pas que tu perdes ton manteau. Mais avant de mettre ton autre mitaine, elle arrivait avec ton genre de saut de skidou. Vous rappelez-vous de votre saut de skidou? Pensez à ça à la maison, la Rémi Bourg. Le saut de skidou, vous rappelez-vous de ça? Si on avait un gros zip plate qui portait une chute, là. Là, ça n'a pas fait comme ça jusqu'à la ceinture. Il y avait une petite ceinture, puis ça n'a pas fait jusqu'au pied. Là, elle arrivait avec tes bottes brunes en caoutchouc. Vous rappelez-vous de vos bottes brunes en caoutchouc? Tu sais, il y avait une strap avec un 30 sous percé de deux barres, les attachés, là. Tu tirais là-dessus, là. Puis il mettait du mouton juste en haut de la botte, hein? Il mettait pas du mouton dans la botte, ben non! T'avais chaud ici! Là, ta mère, elle arrivait avec ton fleur de 25-30 pieds à peu près. On avait tout un fleur de 25 pieds, hein? Elle arrivait, puis elle faisait une croix ici, là, puis là, elle partait! Quand elle arrivait à hauteur du nez, à peu près, elle revire à bord, puis elle t'en tapait à peu près 3 pouces de pain dans le front. Là, elle pognait deux bouts de foulard qui dépassaient. Elle te retournait de bord, elle pognait un bout, t'as pété une nuit pour ça! Toi, elle te restait rien que ça pour respirer puis voir dehors. Puis il y avait toujours les petits maudits poils du foulard qui te rentraient dans le nez. Là. Ça te faisait morver dans le foulard. Je sais pas pourquoi, on avait toujours la bouche grande ouverte là-dedans. Hein? Ça coulait ici, là. Là, tu regardais ta mère droit dans les yeux. Tu le savais que c'était pas le temps. Mais t'avais envie de pipi! Là, ta mère, elle t'envoyait jouer dehors. Tu sortais dehors, tu restais collé sa maison, à peu près 10 pieds de la maison. Là, elle t'en regardait par le petit rideau. Vas-y, veux, mignon, donc! Puis, il faisait frette. Quand ça faisait une demi-heure que tu jouais, la morve pognait tout en poc en avant. T'avais un gros poc de morve en hauteur de la bouche. Là, pom, pom, pom! Là, tu rentrais dans la maison pour aller souper. Ta mère t'enlevait ton foulard. Puis là, t'enlevais tes petites bottes de caoutchouc. Puis vous rappelez-vous, on gardait toujours nos running ou nos souliers en dessous de ça, hein? C'est vrai! Là, quand ta mère attirait sur la botte de caoutchouc, la running, elle suivait toujours avec la botte, hein? Tout était là, puis tu grattais avec tes orteils, gardais la running dans ton pied, là. Puis on avait toujours des petits maudits bas minces.
Puis les bas, ils glissaient tout le temps, là. Puis ils arrêtaient direct en dessous du talon, là. Oh, que c'était fatigant! Puis moi, je me rappelle, à chaque fois que j'enlevais mes petites bottes de caoutchouc, je demandais toujours à ma mère, « Maman, tu m'aimes-tu? » Là, elle disait, « Ben oui, Jean-Marc, je t'aime. Pourquoi tu demandes ça? C'est sûr que je t'aime. » Là, je laissais passer 2-3 minutes, j'y redonnais mon autre petite botte de caoutchouc, puis je lui redemandais, « Maman, tu m'aimes-tu? » « Ben oui, Jean-Marc, je t'aime. C'est sûr que je t'aime. Pourquoi tu demandes ça? C'est sûr que je t'aime. » Ah. Hey, ça n'est un pour moi, justement, un souvenir. Hey, ça me rappelle. Ma mère, justement, elle venait juste de mourir. Mon père savait pas quoi faire pour nous changer d'idée. Puis à chaque fois que je rentrais cette toune-là, là, je nous revois le samedi après-midi, il pleuvait dans l'auto. J'en vois les wipers mouillés dans le vide d'en avant. Mon père nous amène dans un restaurant. Ça s'appelait le Dolbec. Tu sais, c'est dans le temps que les restaurants avaient des bancs en vinyle orange, là. Tu sais, il y avait des petites jukebox sur chaque table. Tu changeais tout avec des petites palettes, là. Moi, j'étais passionnaire à tout le monde avec ça. Je commandais toujours une orangeade dans des grands verres à Sunday. Là, je tirais le jus avec ma paille comme ça, là. Puis quand j'étais plus capable de tirer le jus avec ma paille, là, je gardais ma bouche sur la paille, là, comme ça, là. Mais je levais le verre. Ah, hey, ça me rappelle la première mythe de baseball que j'ai demandé à mon père. Pas n'importe laquelle, une comme mon chum, une Cooper en cuir avec des lanières de suède. Mon père avait fini de travailler plus de bonne heure juste pour me l'offrir. J'avais assez hâte qu'il arrive à la maison. Il est arrivé à la maison vers 4h30 au lieu de 5h30. Moi, j'étais en train de jouer dans la cour. Mon père arrive dans l'entrée de cour, les deux bras en arrière du dos. J'avais assez hâte de voir ça, j'étais tout excité. Là, il arrive à côté de moi. Là, il me regarde dans les yeux puis il me sort ça. Pouf! Une mitte plate en vinyle noir avec une ligne rouge enveloppée avec une balle puis un carton taquant en haut. La mythe, là, elle y a passé direct au-dessus de la tête. Ah, ça me rappelle quand ma soeur faisait ses premiers parties dans le sous-sol. Moi, je descendais les escaliers, puis j'essayais d'aller voir qu'est-ce qu'elle faisait. Mais je voyais pas bien, par exemple. Mais je voyais juste assez pour m'apercevoir que ma soeur est en train de mettre sa langue dans la bouche d'un autre gars. Ah! Moi, je comprenais pas ça. Je me disais, ça veut un bonbon, elle a rien qu'à demander, c'est tout. Quand j'étais sûr que c'est ça qu'elle faisait, je monte en haut puis j'astoule à mon père. Oh, tabarouette. Hey, ça me rappelle de quoi? Le dimanche après-midi, chez ma tante Thérèse. C'est toujours ce genre de musique-là qui jouait pas fort sur le stéréo dans le salon. Il y avait toujours une vieille tapisserie de LED en arrière du stéréo. Pis c'était plat! Moi, j'avais l'impression que c'était la tapisserie qui jouait. Le dimanche soir, après avoir soupé, on revenait à la maison. Le lendemain, c'était lundi, l'école. Tout le monde dormait dans l'auto. Moi, j'étais assis sur le banc en arrière, en plein milieu, les deux pieds sur la bosse de transmission. Puis je comptais un fil électrique qui passait dans la vitre au fur et à mesure que le dos avançait. Puis je pensais à ma petite vie jusqu'à date. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire au prof demain pour lui dire que j'ai pas fait mes devoirs, puis je vais avoir encore 0. Ma grand-mère était morte 4 fois, ça fait 4 fois! J'étais pas pour la clencher une autre fois! Ça me rappelle nos premiers petits parties dans la cave. C'était des très petits parties. On se ramassait 3 gars, là, puis on amenait 3 filles dans le sous-sol avec nous autres. Ah, une potelée. On fermait toutes les lumières. Il y avait juste les lumières de l'escalier qui bavaient un petit peu dans le sous-sol. Hey, c'est sur cette toune-là, la première fois de ma vie, que j'ai donné un French à une fille. 23, 25 minutes. Là, quand j'avais plus d'air, là, je regardais mon chum, puis je faisais signe. Yeah! Hey, ça me fait penser qu'on décide donc rien dans la vie, hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les choses arrivent de toute façon.
À chaque fois que je réentends cette toune-là, là, ça me rappelle la chère vie qui venait juste de m'envoyer un autre beau cadeau. Mon père, lui-ci, venait juste de mourir. Moi, j'avais rien 14 ans. J'avais rien de me défouler. Pas d'auto, pas de moto, pas de bicyclette, rien. Tout ce que j'avais, c'était mon système de son. Dans ce temps-là, tout le monde capotait sa même affaire. On allait tous chez Radio Shack, on s'achetait des gros parleurs de 18 pouces. Ça sortait mal, mais ça bûchait, par exemple. On montait ça dans des boîtes de son qu'on se faisait nous autres mêmes, avec la colle de page, des petits coups de finition. Les boîtes finissaient toujours tout croche, les deux se ressemblaient même pas. Mon Dieu Seigneur! À l'avant de la maison, chez nous, il y avait grand parc. Puis juste devant la maison, il y avait un talus de même. Mon père venait juste de mourir, ça me faisait chier. Je dois que tout le monde le sache. Je sortais mon système de son, je le mettais sur le talus, les deux boîtes face au parc, puis je reculais à pied dans le parc tranquillement. J'allais en avant de la maison chez Bouchard voir si on entendait bien ma toune. On l'entendait super bien. J'allais en avant de la maison chez Auger, on entendait très bien. Là, quand j'étais sûr de mon coup, je retraversais le parc tranquillement. Je voulais arriver à côté de mon amplificateur juste au bon moment de la toune. Tu sais, là, le bon bout, là. Aujourd'hui, les amplificateurs, c'est des petits pitons digitales, hein. Dans ce temps-là, c'était pas ça. C'était un gros piton rond qui te remplissait la main puis qui accotait dans le fond. Tu savais, quand on amplifiait dans le tapis, t'avais le poignet twisté à l'envers. Là, je prenais le piton dans mes mains, puis je me préparais à le domper dans le fond juste au bon moment, là. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans le parc, là, puis je le dompais dans le fond, là. Et que ça faisait du bien! Je voyais toutes les lumières allumées à l'entour du parc. Alright! Je dérangeais tout le monde! J'aurais voulu rajouter des chiffres sur le piton, moi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Là, les breakers sautaient, puis on était en seule maison noire à l'entour du parc. Nos premières danses en polyvalente le vendredi soir. Hein? Rappelez-vous de ça? Tout le monde dansait de la même façon. Ça, c'est dans le temps qu'on avait toutes des jeans bien serrées. On n'était pas capable de rentrer dedans, le fond de culotte arrêtait là. On tirait dessus avec les gants, on pétait les gants, mais c'était jamais assez serré, hein. Avant de sortir, on les mettait dans ces choses qui soient plus serrées encore. Tout ce qui nous restait à faire en fin de la soirée, on allait dans notre chambre, on se couchait sur le dos sur le lit, on ramassait un support, puis on montait le zip avec le support. Hey, imaginez-vous ça, un samedi soir d'été, chaud, humide, on traînait dans un parc. Les filles venaient juste de commencer à se maquiller et taburer jusqu'au front. Il y avait toute une brosse bien serrée dans les jeans en arrière. Nous autres, les gars, on avait des vitesses flambant en eux, on pétait les poignets à l'envers. On arrivait dans le parc avec une caisse de 12 contenant carton, une caisse de 12 en carton contenant avec les pouces. Puis quand on arrivait à côté du banc du milieu, on braquait de côté. Puis tout ce qu'on trouvait pour impressionner les filles, c'était pogner de vitesse puis péter ses poteaux. Pif! Hey, ça me rappelle un des meilleurs trips avec un de mes meilleurs chums. À 3h du matin, on décide, hey, on s'en va à Old Orchard Beach. Alright. On arrive à Old Orchard vers 8h le matin, fatigués, brûlés, morts. On se creuse chacun un trou sur la plage, on met nos serviettes puis on se couche là. C'est l'air frais qui nous a réveillés le soir vers 8h à peu près. 12h au soleil sur le même bord. Là, je regarde mon chum, il y avait une paupière à manger comme des gourdes. Écoute, on gâchera pas le trip, on va manger au snack bar. Tu sais que ça a l'air, les snack bars dans ce coin-là. Tu croques d'un pogo, le croque de 4 pénézères, ça tombe à terre. Là, je regarde mon chum, je t'ai pas l'air affiné, toi. Tu fais pas vendre tout. C'est pas après une valise d'auto, ça faisait des vagues dans le vide d'en arrière. You need me.
rappelez-vous de cette époque-là? Vous rappelez-vous des sous-sols qu'on avait dans ce temps-là? C'était pareil dans toutes les maisons. C'était en pré-fini jusqu'au bout en arrière. On avait des vieux fauteuils mal recouverts qui puaient l'humidité. Tout le monde avait des vieux rideaux jaunes en jute avec des pois bruns. Pis on capotait tout sur Led Zeppelin. Ça, c'est le genre de tune que t'écoutais en venant de l'école. Quand t'avais croisé une fille, elle voulait rien savoir de toi. Tu descendais dans le sous-sol, tu mettais ton petit radio bien, bien fort. Puis tu disais dans ta tête, elle sait pas ce qu'elle a manqué. Puis là, on attendait le bout. On était tous effoirés dans le sous-sol. Là. On avait l'air d'une gang de pas de colonne qui traînait. Là. Nos parents étaient découragés de ça. Là. Ça avait l'air d'un paquet d'anchois qui traînait sur le tapis. On faisait du picking. Y'en a-t-il qui se rappellent c'est quoi faire du picking? C'est bien simple, hein? Rappelez-vous de ça à la maison, là. On prenait une guitare électrique invisible, on faisait semblant de jouer en même temps que le disque. Vous en rappelez, hein? Il y en a encore qui le font aujourd'hui. Ça fait bizarre, mais il y en a encore qui le font. On a encore du fun avec ça. Puis il y avait non plus de fun. On était une quinzaine dans la cave. Tout le monde jouait de la guitare électrique. Il n'y a pas personne qui jouait du drum. Il y en a un qui était malade en dessous du stéréo. Hey, ici, on est quoi? On est 400 personnes. À maison, 2, 3, 10 par foyer. Un peut-être. Debout. On fait du picking. Hey, ici, debout, 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 toute la gang ici. Ceux qui sont assis, levez-vous debout. À la maison, ceux qui sont assis, levez-vous debout, ça va à peine. C'est pas pire que faire de la danse aérobique une gang ensemble, hein? All right, parfait. Préparez-vous à faire du picking. Je vais voir la guitare électrique de tout le monde. Invisible. Montrez-moi ça vos bras partout. Comment c'est là? Écoutez cette ligne-là, celle-là, là, cette ligne-là, écoutez ça. Oh, que c'est beau. Et que cette valeur que ça me rappelle rien. Rien pour tout. Hey, ça me rappelle de quoi? Ma première vraie peine d'amour. Tu sais comment est-ce qu'on file quand on est en peine d'amour, hein? Je me rappelle, c'était un jeudi après-midi. Il faisait super beau dehors. Il faisait beau, c'était écœurant. Tu sais, le genre de journée qui fait tellement beau que ça t'écœure parce qu'il fait beau. J'entendais des cris d'enfants jouer dans le parc. La journée était super joyeuse. Moi, j'étais enfermé dans ma chambre. J'écoutais du Cat Stevens, mon petit radio réveil blanc en plastique. Pis ça sortait mal, cette cochonnerie-là. Là, je baissais ma toile pour faire pitié. Mais je gardais une petite craque, par exemple, pour être sûr que je fais pitié. Sur ma table de chevet, j'avais un vieux verre d'eau sale, tiède, avec une saucisse crue que je mangeais avec des biscuits feuilles d'érable. Ah, ça, là. Hey, ça me rappelle mon premier Barracuda 73 mauve avec un toit blanc. J'avais modifié la suspension pour que la voiture reste bien collée sur la route. J'avais boosté le moteur pour qu'il tire un peu plus. Là, j'étais en avant de chez mes chums, puis mes chums criaient après moi. Ah ouais, comment j'en marque? Péter un burn! Péter un burn, ça veut dire faire des traces avec les pneus sur l'asphalte. Moi, je disais, hey, je fais pas ça, ces niaiseries-là. Mon Dieu Seigneur, une fois n'est pas coutume. Je l'embraye en première. J'accorde le gaz, peine à côté dans le fond. Lâche la cloche. Ah, il prend mal son gaz. Je le réembraye en première. J'accote le gaz bien à côté dans le fond.
Danche la cloche. Ah, il tient pas pantoute. Faut absolument que je l'ajuste. Là, j'étais dans ma ville, sur l'artère principale, le boulevard du Séminaire. J'étais arrêté sur un stop. Là, je regarde dans mon miroir. Je me suis dit, oh non, la police. Pas avec des cerises rouges sur le top, là. Non, non. Une petite maudite cerise d'hypocrite sur le dash en dedans. Moi, j'avais une vingtaine d'années dans ce temps-là. Je me prenais pour le nombril du monde. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête, un genre de courant pas trop intelligent. Là. Ça a fait comme... Je me suis dit, fuck! J'arrête pas. Son gaz. Oh. Hey, ça me rappelle quand j'étais plus jeune dans ma ville, c'est moi qui animais les ligues d'improvisation. En chaque période, c'est moi qui divertissais le monde. Cette fois-là, je m'étais déguisé en Indiana Jones. Je descendais d'une passerelle d'environ 30 pieds dans les airs. Je descendrais sur une grosse corde tressée avec un chapeau de paille puis un fouet que je claquais en descendant. Au fur et à mesure que je descendais, je voyais tout le monde qui s'approchait de moi, je tripais. Là, je me préparais. Là. Le premier grand coup de fouette que j'ai donné, pogné de madame en pleine face. Ah, lui, je l'aimais, ça avait pas d'allure. Ça me rappelle, il y a 5 ans, une tournée aux îles de la Madeleine. Les îles de la Madeleine, là, c'est tellement beau. Il y avait un grand chemin qui traversait l'océan. Il y avait de la mer de chaque côté. C'est le genre de journée que tu profites de tout. Du moindre paysage, de la moindre vue. Je profitais de tout ça, j'écoutais Joey dans l'auto. Puis en même temps que je tripais, l'animateur qui m'apprend à moi par plein d'autres mondes qui venait juste de mourir. C'est grave le feeling que ça fait. Quelqu'un que tu connais presque pas. Je me suis tassé sur le bord du chemin. Qu'est-ce que tu penses que ça me rappelle, ça, moi? Qu'est-ce que c'est le fun? On s'en rappelle tout en même temps. J'aime ça, ces feelings-là. Allez, regardez à soir. Nous autres, pour nous autres, c'est notre 7e émission. Il est 9h11:48, on a encore pété le temps. On est le 18 février. Pour tout le monde à soir, tout le monde à travers la province qu'on a tellement fait, toute la région du Saguenay, la Côte-Nord, Granby, Sherbrooke, Trois-Rivières, toutes les villes. Et ici, pour le vrai, tout le monde, c'est vrai là, drette là, on a un souvenir ensemble.